La serveuse de la salle était une sino-américaine un peu grassouillette, mais dont les formes voluptueuses, accentuées par le juste au corps de coton noir, semblaient provoquer un émoustillement particulier des senseurs émotifs de Landreau. Elle avait posé les deux bières côte à côte sur le coin de la table et avait encaissé le pognon en les remerciant pour le pourboire généreux que le faux humain lui avait laissé dans la monnaie cosmopolite de Grande Jonction. Ils avaient fini par s'installer à cette table en retrait, dans un coin de la salle seulement illuminé d'une vieille enseigne publicitaire de néon Budweiser. Plotkin avait joué son rôle en la ramenant un peu sur ses compétences en matière d'industrie spatiale. Son agence était l'un des meilleurs cabinets d'assurance en Russie, etc. Plus tard, il lui serait quasiment impossible de reproduire la chronologie exacte des événements, ou plutôt des non-événements. Il lui serait impossible de se souvenir de la durée et de l'ordre des discussions. Il se souviendrait des serveuses et des quelques informations d'importance ramassées au hasard des phrases échangées avec l'androïde Vega 2501, ou quel que fût son véritable numéro de série. Avait travaillé ses 25 années de service en orbite pour l'armée brésilienne, principalement sur la Lune. Il avait ensuite officié dans quelques usines de l'anneau comme gardien de sécurité, par exemple à la Venus Corp, qui fabriquait, comme toutes les entreprises de cette industrie, ces androïdes en orbite. Plotkin s'était souvenu que Cydia Nova 280 avait été fabriquée par la Venus Corp. C'était un drôle de hasard. Sur la Lune, durant son service contractuel, l'androïde avait servi à de hauts niveaux de responsabilité. Par exemple, comme chef opérateur de mission, il avait arpenté des milliers de kilomètres sur la face cachée avec l'expédition Wilcott Volkov. The Dark Side of the Moon était l'album de Pink Floyd qui avait marqué son apogée et donc le début de sa fin, se souvint Plotkin. Il en était certain. Il connaissait le groupe et son historiographie par cœur. Cela faisait partie de cette personnalité de briques et de broc à laquelle il était désormais attaché comme s'il se fût agi de la sienne propre. Peu importait désormais ce qui était vrai et ce qui était faux. Peu importait, se disait-il, en souriant à Vega 2501 qui expliquait à sa demande les coutumes sexuelles entre androïdes en orbite. Peu importait qu'il soit agent d'assurance ou tueur professionnel. Peu importait qu'il avait vécu sa jeunesse à Novosibirsk ou à Londres. Et pourquoi pas à Buenos Aires. Tous ces détails importaient peu. Ce qui comptait, c'était le fait que quelque chose de totalement imprévu commençait à prendre délicatement possession de lui-même. Ce qui comptait, c'est qu'il commençait à vivre. Plus tard, à la fermeture du bar, vers 3h30 du matin, ils avaient remonté le strip ensemble jusqu'à l'hôtel. Plotkin s'était risqué. Et l'autre androïde de l'hôtel, vous la connaissez? Vega 220, Vega 01. Vega 2501 avait paru authentiquement surpris. Quel autre androïde? Plotkin savait qu'il opérait en terrain vaseux, il avait bu certes, mais ses réflexes et son intuition n'étaient guère entamés tout au long de la soirée. Un filtre anti-alcoolémique avait dissous
et transformer les sucres dévastateurs. Il avait avalé une demi-douzaine de bières, et c'est à peine s'il ressentait les effets d'une pinte. Ce n'était même pas voulu, cela faisait partie de son kit organique. En bon tueur professionnel de l'ordre, il était hors de question qu'il se laisse abuser par un quelconque stupéfiant en vente libre ou illicite. L'andro devait probablement être doté du même genre d'inhibiteur naturel. Il marchait aussi droit que lui. Une androïde, je l'ai croisée un jour dans le hall. Mentit-il. 2501 semblait franchement perturbé. Une androïde, dites-vous? Elle est donc sexuée? Une andro dernière génération? Oui, comme vous, mais en féminin. Il marchait d'un pas lent, mais sûr, franchir Telstar Bridge. Une simple passerelle d'acier et de béton longue de 80 mètres, surplombant une ravine creusée depuis des millénaires dans les collines. Ils étaient en vue de l'hôtel là-bas à l'horizon avec sa chaîne holographique dans sa combinaison pressurisée qui tournoyait au-dessus du dôme de carbone, dans une féerie bleue et rose pastel. Je ne l'ai jamais vue. Une androïde, vous êtes certain? Et vous l'avez croisée, dites-vous. Oui, répondit Plotkin, toujours entre le mensonge et la vérité. Une androïde. Cela plongea Vega 2501 dans des abîmes renouvelés de perplexité. C'est à peine s'il desserra les dents jusqu'à leur arrivée à l'hôtel. Ils se quittèrent très vite. Eh bien, bonne nuit, monsieur Plotkin, et merci pour cette charmante soirée, fit la machine humanoïde dans un sourire de synthèse, avant de se diriger, sans plus attendre, vers l'asile sud, où elle résidait. Ce fut aussi simple que ça. Ouverture et fermeture, sur le même mode. Plotkin traversa le hall en direction de l'accès ouest. Il passa devant le comptoir et se rendit compte que la lumière en provenance de l'appartement de service du gérant était allumée. Le comptoir et une bonne partie de l'espace situé juste derrière lui, ainsi qu'une sorte de bureau attenant, séparé de la pièce principale par une cloison et une petite porte vitrée, étaient remplis d'objets de toutes sortes. Non, de trois sortes, très exactement trois. Il y avait un tas de paquets de cartons recyclo certifiés, remplis de cartouches de cigarettes. Il y avait des boîtes de résine plastique translucide, genre Tupperware, dans lesquelles Plotkin devinait la présence, odeur, forme, couleur de milliers de têtes de marijuana. De marijuana. Il y avait des boîtes de jeux neuroélectroniques pour enfants, made in India. L'une d'elles, ouverte, déchirée sur une partie de sa largeur, traînait près d'un cendrier de fortune constitué d'une large assiette ébréchée, dans laquelle plusieurs mégots de Camel et de Marlboro tachés de pointes oranges. Une masse de cendres grises qui dessinait des méandres de carbone volatile sur tout l'espace du récipient. On avait fumé des clopes, on avait rangé les boîtes très provisoirement. On devait certainement s'affairer à il ne savait quoi dans la capsule de service pour pas très longtemps sans doute. L'arrivage datait de la nuit, Plotkin devinait qu'à l'aube tout aurait disparu. Il arrivait pile au mauvais moment, mais avec juste le microgramme de chance qu'il faut. Le gérant devait probablement être en train d'empiler les caisses les plus compromettantes dans une planque de son appartement. Il ne fallait pas rester. Il se dirigea
d'un pas net vers la coursive ouest et son ascenseur. Nexus Road. Il avait choisi les minutes qui meurent juste après l'aube. Le ciel, là-bas, à l'est, se teintait d'un rose transparent déjà chaud du jour à venir. Des cirrus violets flottaient très haut dans l'atmosphère. Au-dessus de lui, l'espace était d'un bleu profond, indigo, avec des fantômes d'étoiles. Mais il se délitait peu à peu, aux limites du territoire rose infrarouge de l'aurore. Durant la nuit, Plotkin avait loué une auto depuis la chambre, une Ford de 10 ans d'âge, un moteur à hydrocelle, tout juste aux normes. Après son expédition sur le strip avec l'androïde, il avait dormi toute la journée. Puis dans la soirée, il avait commencé à penser à son plan pour tuer le maire de cette ville. La présence de l'androïde pouvait se révéler propice, il semblait destiné à servir de leurre, de pigeon, d'appât, de piège à con, le parfait Lee Harvey Oswald de l'affaire. Son plan tenait en quelques grandes lignes. Un attentat le jour même du Spoutnik Centennial, le 4 octobre, revendiqué par un sigle bidon, genre dissident radicaux du Flandreau. Il opérait clandestinement à partir de l'appartement de l'androïde, y laissant des traces d'ADN qui fortifieraient l'hypothèse d'un complot avec des ramifications humaines locales. Il laisserait quelques indices sur la console de Vega 2501, des documents compromettants à droite, à gauche, et probablement l'arme du crime ou bien l'atelier portable qui aura servi à son élaboration. Vega 2501, pensa-t-il. Vega 2501, l'androïde aux identités bidons. Une très jolie carrière d'assassin politique. T'ouvre les bras. À cet instant, une impulsion soudaine le força à écrire quelque chose sur le bloc-notes digital du bureau. IPSE Ipse vos baptisapit in spiritu sanctus sancto et inni. Il avait contemplé la phrase écrite en capitale. Une autre impulsion inconsciente, comme lorsqu'il avait écrit cette phrase de l'évangile de Saint-Luc sur l'espace mural près du hublot. Qu'est-ce que cela voulait dire? Un code? C'est du latin, lui expliqua aussitôt El Seigneur Métatron, tiré d'un texte d'Origène. Un auteur chrétien du 3e siècle, il citait Saint-Luc, là encore. Le baptême par le feu? Demanda-t-il, intrigué, à l'agent logiciel. Une vieille tradition apocryphe, aussi bien juive que chrétienne, lorsque l'on renaît après la mort, on passe à travers un fleuve de feu qui purifie ce qu'il y a de mal en vous. Pourquoi avait-il écrit ces mots sur le bloc-notes du bureau? Il ne possédait aucun rudiment de latin et n'avait pas connaissance des auteurs chrétiens du 3e siècle. Quelque chose.
Quelque chose interférait avec son esprit, et le seigneur Metatron ne détectait rien d'anormal dans les neurocircuits de la console de la chambre. Plotkin avait demandé à son agent intelligent, qu'on dénommait dans le langage des habitués du réseau secret un ange, de procéder à un check-up de la totalité de ses propres implants biocellulaires avec une batterie d'antivirus de dernière génération, jusqu'à la moindre nanomachine immunitaire. Cela dura des heures entières. Il n'y avait rien. Si quelqu'un essayait de pirater son programme de neuro-instruction, si quelqu'un ou quelque chose essayait d'introduire des messages cryptés en latin dans son cerveau, ce n'était par aucun moyen connu de lui et d'un des meilleurs agents de sécurité personnelle existants sur ce globe. Un groupe de résistants catholiques ou évangéliques? Difficile à croire. Ils ne disposeraient sans doute pas d'une technologie si furtive qu'elle ne puisse laisser aucune trace pour les censeurs d'élite d'El Seigneur Metatron. S'il avait essayé quelque chose, s'il avait entrepris, pour une raison mystérieuse ou une autre, de parasiter son esprit, profitant sans doute du provisoire moment de faiblesse du programme lors de sa reconstruction post-amnésique, son ange gardien aurait détecté leur manœuvre, sinon en direct, du moins après coup. Il s'était posté devant le hublot. Les plateformes du cosmodrome étaient vides, le ciel orageux semblait se mouvoir vers un abysse monstrueux avec ses immenses escadrilles d'altocumulus en forme de zeppelin violet dont les contours noirs étaient happés par les lumières de la ville. Alors qu'il flottait et tourbillonnait dans les rafales en nimbes nocturnes affolées sur le canal météo de la console, Plotkin avait lu que des vents d'au moins 80 km à l'heure, soufflant de l'ouest, se feraient sentir durant encore 48 heures. La World Weather expliquait dans un communiqué qu'elle avait pu détourner une partie des vents et de l'énergie des superjets vers les grands lacs, mais qu'il fallait s'attendre à un climat instable pendant les prochains jours. Il y avait ici des forces à l'œuvre, des forces naturelles, des forces sociales, des forces d'origine inconnue, des forces qui, peut-être, l'aideraient à achever son plan pour tuer le maire de cette ville. Il avait alors pris la décision de sortir de l'hôtel. La voiture l'attendait comme convenu sur la North Junction Road, au bas de l'escalier de l'autopont direction Lorient, direction Vostok, direction Heavy Metal Valley. Le diagramme du réseau s'affichait sur l'ordinateur de bord, mais Plotkin n'en avait nul besoin. Le plan, maintenant, c'était dans son cerveau qu'il traçait ses graphiques, ses quadrillages, ses limites, ses plis, ses trous. Le plan faisait désormais partie intégrante du territoire grâce au pouvoir d'El Seigneur Metatron, qui venait périodiquement flotter en feu follet magnétique sur le siège passager avant de disparaître quelques minutes comme aspiré par les composants de l'ordinateur de bord. La carte est incorporée au territoire, se dessine devant lui à la fois la vision présente de la route qui défile et le réseau occulte de tous les systèmes électromagnétiques plus ou moins apparents, plus ou moins cachés, qui la maintiennent en vie et en activité. La route est défoncée, mais elle fait néanmoins partie du réseau et elle fait partie du consortium municipal métropolitain de Grande Jonction. Elle fait partie de la ville, disons, du comté. Il roule plein et à travers les collines. Sur une distance d'environ 10 km, la route s'arrête net au bas d'une colline boisée de grands arbres,
tropicaux dont il reconnaît les lourdes masses luxuriantes au milieu de massifs de fleurs sauvages aux larges feuilles luisant d'un vert presque fluo et les hautes herbes aux mille teintes d'argent qui ondulent par à coups frémissant dans les rafales de vent en vastes masses de velours frappées. La route croise une simple piste, disons une semi-piste où l'asphalte est posé en pointillé de quelques centaines de mètres sur une travée poussiéreuse de couleur ocre qui file d'une part en direction du nord-est, d'autre part plein sud. Le soleil explose d'une furie de rose et de rouge-orange juste derrière la butte rocheuse qui lui fait face. Le ciel en est repeint d'or, de merveille, de vermeil et de feu. Heavy Metal Valley, Xenon Rage, Nexus Road, North, Nova Express, Crossroad, New Neon Park, Omega Blocks, Junkville, Nexus Road South. Il oblique vers le nord en direction automatique, humaine, semi-assistée. Devant lui, la carte déploie ses ailes de diagramme, ses filigranes linéaires. Xenon Ridge se trouve à 8 km et domine la vallée. C'est un point d'observation idéal. Pour y parvenir, il faut toutefois quitter la piste principale, la Nexus Road, et emprunter un raou latéral, quelque chose qui mérite à peine l'appellation de sentier et se surnomme pompeusement Xenon Road, qui oblique vers le nord-ouest et monte aussitôt à pic vers le sommet de l'espèce de mesa à moitié dénudée par l'érosion des vents venus des steppes du Midwest, une de ces collines d'érable et de feuillus du sud canadien qui sont en train de succomber au chaos climatique global. De là, on surplombe la vallée et la Nexus Road qui conduit. Il note le changement linguistique, il doit se trouver juste sur la frontière américano-canadienne, ou vraiment pas loin, les raous se changent en rang. Et l'affichage devient bilingue, y compris sur l'ordinateur de bord. Diagramme historique. Il y a de cela un quart de siècle, lorsque le business astro-privé underground roulait encore à sa vitesse de croisière en dépit, ou peut-être bien à cause du grand djihad, la municipalité de Grande Jonction s'était considérablement agrandie et couvrait déjà l'équivalent ou presque de tout le comté. Le consortium municipal métropolitain qui réunissait autour de la cité de Grande Jonction toutes ses périphéries naissantes ou en pleine croissance, comme le strip de Léonov-Alais ou même Junkville, fut alors créé. On décida d'ouvrir une route à partir de Gemini Drive vers le nord de Monolith Hill, pour ensuite aller au-delà, jusqu'aux limites orientales du territoire autonome Mohawk, vers le lac Champlain. On commença donc la North Junction, puis la Nexus, ainsi que la bretelle d'accès vers le strip avec son autopont. Puis tout s'arrêta. La Seconde Guerre civile américaine et les multiples confédérations où État libre qui en était né, avaient en quelque sorte parachevé le grand djihad planétaire pour lequel la guerre civile française puis européenne avait servi de détonateur général après une décennie et demie de coups foireux, comme
à l'époque des conflits balkaniques qui avaient servi de prologue au siècle précédent, à la guerre de 14-18. Au même moment, ou presque, comme par un ultime effet de l'arcane historique, le monde islamique dans son ensemble se trouva à son tour confronté à une guerre civile religieuse et constitutionnelle d'une ampleur telle que, à la façon d'un explosif servant à souffler net les incendies des puits de pétrole, la conflagration qui s'ensuivit épuisa d'un seul coup la guerre planétaire qui durait depuis le début du siècle. Pour l'UMHU, il était temps, manifestement, d'entrer en scène. Diagramme géologique. Diagramme géologique. Xenon Ridge est une de ces collines typiques du sud québécois, autrefois recouverte d'arbres et de buissons touffus, n'y poussent plus que quelques chênes verts rabougris et des arbustes secs, dont des chardons mutants d'une taille impressionnante. Ici, une limite géologique a eu pour conséquence une différence d'adaptation radicale des végétaux locaux. Xenon Ridge est en train de devenir un massif érodé. Ici, de très vieux schistes cohabitent avec le socle granitique du bouclier canadien. Ici, le terrain est à certains endroits déjà creusé par les vents qui volatilisent la terre brune, un peu jaune, faisant apparaître des morceaux de roche dure, comme autant de crânes humains mis à nu dans leur nécropole multimillénaire par un archéologue consciencieux. Ici, Plotkin domine la basse plaine. Un vaste cirque rocailleux. Au loin, des prairies et des forêts survivantes, réduites à l'état de savane. Plus loin encore, quelques îlots de verdure plantés çà et là comme des atolls perdus dans un océan de poussière. Et au milieu, Ivy Metal Valley. Il en avait eu une description, mais maintenant, il voit, il sent, il comprend. C'est une ville. Elle fait également partie du comté, elle est donc officiellement gérée par le consortium, mais l'abandon général des projets d'agrandissement vers l'est, 20 ans auparavant, a fait de toute la zone qui longe Nexus Road un véritable territoire autonome dans les territoires autonomes. C'est comme un trou creusé à même le temps et la société. 1 million de carcasses empilées, prêtes soit pour le scrapvoir, le broyeur, soit pour les ateliers de récupération des diverses communautés qui se partagent le butin. Il dispose de deux lentilles de contact spéciales qui vont lui servir de jumelles. Elles sont dotées d'un central de stéréoscopie et d'un zoom très puissant. Ainsi,
que d'un mode infrarouge optionnel légal, construite au Chili, de très bonne qualité. Elles font partie du kit de survie intégré à son organisme. 1 million de carcasses empilées qui forment de hautes murailles métalliques, souvent oxydées, se succèdent, se répètent, se démultiplient dans une myriade de variations, destructions, marques, modèles, couleurs, et entre lesquelles tout un réseau de pistes recouvertes de mâches fer a été minutieusement tracé. C'est un vaste labyrinthe de métal qui s'étoile à partir de son colisée. Une immense piste de béton incliné, imitation des circuits NASCAR de la grande époque. Il remercie son intuition de l'avoir conduit directement sur un point de vue en hauteur. Il remercie son instinct de tueur de pouvoir lui faire admirer l'aurore splendide de cette journée. L'azur du ciel est si intense qu'il en paraît turquoise. Il remercie ce qui, en lui, ignore tout de lui-même pour lui faire vivre cet instant à tout égard unique. Ivy Metal Valley, une ville dans la ville, une forteresse du Moyen-Âge électrique. Il distingue les avenues centrales bien ordonnées, les rues latérales plus petites, un peu plus chaotiques et divers rangs se superposant à ce quadrillage en un écheveau tortueux, discontinu et imprévisible. C'est comme une reproduction à peine miniature de la cité de Grande Jonction elle-même, mais une reproduction composée de métal, de matière plastique, de résine composite, de vitres de plexiglas datant du XXe siècle qui scintillent sous le soleil matinal. Plus rien ici ne date d'après 2015-2020. Et évidemment, il le comprend en saisissant peu à peu au cours de longues heures d'observation que l'économie singulière de cette ville dans la ville, ce sont les machines du siècle passé, vu le statut dérogatoire de circuit privé fermé que le consortium leur a concédé pour une durée de 70 ans. Les communautés de Ivy Metal Valley ont le droit de brûler de la gomme, de l'essence, du trinitrotuol, n'importe quoi, comprend-il, pourvu que cela fasse du bruit, de la fumée et des flammes, et cela jusqu'à la fin du siècle, si ce dernier du moins a une fin. La ville est organisée aussi selon certaines spécialités, les espèces élémentaires, voitures, camions, autobus, véhicules lourds et spéciaux, grues, bulldozers, engins militaires, etc., avaient bien sûr leur quartier réservé vers midi. Il avait pu enregistrer l'existence d'une économie très complexe qui dépassait largement le simple troc de pièces mécaniques usagées. Il refaisait les véhicules. Il les refaisait parfois complètement, et il ne se contentait pas de les répliquer à l'identique. Quoique cela fût aussi le cas, mais bien souvent il recomposait des véhicules à partir de plusieurs épaves différentes, créaient leurs œuvres uniques, leur propre vision de la voiture à essence du XXe siècle que la plupart d'entre eux n'avaient jamais connue. Alors que le soleil se glissait entre les cavalcades de nuages orageux, Plotkin avait fini par déceler la répétition d'un détail parmi les centaines de variations subtiles qu'offraient à la vue les hautes piles de voitures fracassées, des sentiments récurrents autour d'un vieil autobus scolaire focalisèrent son attention sur ces motifs étranges, en métal, en plexiglas, en plastique divers, un peu partout disséminés discrètement sur les rétroviseurs de quelques véhicules ou accrochés en plaques de métal forgées sur des carcasses, comme c'était le cas pour le bus scolaire, des croix du Christ. Il n'y avait rien d'ostentatoire
aucun monument vraiment visible, pas de haut symbole dominant l'autodrome, pas non plus de représentation figurée de Jésus, quoiqu'il aperçût comme un crucifix à l'intérieur du bus planté dans le pare-brise, la cabine de pilotage transformée en une sorte d'hôtel. Des catholiques, des chrétiens clandestins qui auraient trouvé refuge à l'intérieur du territoire autonome. Il demanda à ses lentilles de contact de digitaliser une bonne cinquantaine de prises de vue des véhicules où apparaissaient, à demi cachés dans la masse, les symboles chrétiens interdits par l'UMHU. Certaines calandres avaient été redessinées pour accueillir les rosaces en vitrail d'acier, des croix celtiques de Malte, de Lorraine, orthodoxes. Rien qui ne frappe l'œil à première vue, surtout de loin. Bingo, des clandestins, des catholiques. Plotkin remercia une nouvelle fois son instinct de tueur de l'ordre de l'avoir conduit jusqu'ici. Si un groupe de dissidents catholiques anti-UMHU résidait dans le coin, et s'ils y menaient diverses opérations clandestines de sabotage ou de recrutement, sans doute était-il à l'origine des dysfonctionnements du neuroprogramme d'instruction et des messages codés en latin. Un jeune hacker catholique, génial, vivant planqué au milieu de Heavy Metal Valley. Dans sa tête, les mots Heavy Metal Valley clignotèrent en rouge. S'il existait ici une sorte inconnue, une sorte S'il existait ici une force inconnue susceptible d'entrer en compétition avec Hellsinger Metatron, il fallait d'urgence circonvenir le problème. D'autre part, il y avait comme un bien dans le mal, comme une source de lumière contenue par les ténèbres. Comme une source de lumière contenue par les ténèbres même. Il pouvait sereinement envisager d'utiliser toutes ses forces contre elle-même et surtout à son profit, si possible dans le cadre de la mission lui commandant de tuer le maire de cette ville. Passé midi, une haute traînée de poudre s'éleva derrière Monolith Hill, une fusée texicaine avec une capsule réutilisable chinoise des années 20. Et sept passagers partaient vers l'anneau. Une longue chevelure d'or pâle émergeait des tuyères, la fumée blanche des boosters s'évanouit lentement dans le ciel en torsade éthérique. Après leur éjection, ne subsista plus qu'une grosse étoile dorée qui fourmillait de radiation et qui, peu à peu, se laissa absorber par les gaz de la ionosphère. L'atmosphère devenait à chaque instant plus magnétique. Un orage couvait. On avait procédé au tir dans les toutes dernières minutes possibles. Le ciel devenait dangereusement violet à l'horizon, vers l'Ontario. Il était temps de rentrer. Hellsinger Metatron lui fit savoir qu'il avait eu le temps de visiter nombre des systèmes informatiques personnels de la ville dans la ville, qu'il n'avait détecté aucun système véritablement suspect, quoique la plupart des machines visitées recelaient nombre d'irrégularités juridiques, mais rien qui ne valide sa théorie d'un jeune hacker catho perdu dans la vallée de métal. Environ 6 000 personnes y vivaient à plein temps, auxquelles s'ajoutaient près de 3 000 saisonniers réguliers, plus environ 2 000 voyageurs et vagabonds de passage. On logeait donc quelque chose comme 12 000 personnes à Heavy Metal Valley. 12 000 personnes pour 1 million de véhicules, voire, affirmait Hellsinger Metatron, sans doute 1,5 million. Cela faisait un peu plus de 1 000 véhicules par personne. Heavy Metal Valley devait être considéré différemment que lorsque
que lors de son départ vers la Nexus Road. Ce n'était pas le Strip, ce n'était pas Ottawa Village, ce n'était pas les hauteurs huppées de Centaur City ou le centre-ville de Korolev Plaza. Ce n'était pas le cosmodrome et moins encore l'aérogare Enterprise. Ce n'était pas Junkville non plus, ce n'était rien de tout ça, et pas même leur éventuel et monstrueux mélange. C'était autre chose, on y était riche de tout ce qui ne valait plus rien. Tout y semblait tourner vers le passé, vers une époque disparue avec deux hautes tours de cristal. Un matin de la première année du siècle, et pourtant, il percevait comme le battement de cœur d'un devenir. Il percevait un futur qui voulait s'accomplir. C'était aussi beau que la disparition d'une fusée dans le ciel d'azur de midi. Il reprit la North Junction, la North Junction, un peu avant 13 h. Le soleil n'apparaissait plus que comme un pâle disque jaune derrière des nuées orageuses qui défilaient à près de 100 km à l'heure dans le ciel, telles d'énormes soucoupes grises métalliques veinées de traces violines chargées d'énergie électrique. Il y eut un éclair vers l'ouest, puis un autre un peu plus au nord. Là-bas, en direction de l'Ontario, le ciel était en train de devenir un haut mur bleu-noir, comme si une énorme et monstrueuse vague d'encre de Chine se levait à l'horizon occidental. Visiblement, la World Water avait choisi d'épargner un peu les mégapoles des Grands Lacs, où résidaient encore beaucoup d'électeurs, et de ne plus trop faire dériver les vents et l'énergie des superjets vers le Michigan, l'Illinois ou le Minnesota. Grand Junction allait bientôt profiter de son statut de territoire autonome. Les premières gouttes de pluie frappèrent le pare-brise alors qu'il arrivait en vue de l'hôtel Laika. Il laissa la Ford Nissan de location repartir vers son central urbain, marcha jusqu'à l'hôtel alors que les gouttes d'eau tombaient à un rythme croissant, passa sous l'arche faite de tubulures métalliques au moment où un énorme tube de lumière bleue traversait l'horizon dans un fracas évoquant une créature prête à dévorer le monde. Il avança à bons pas sur le terre-plein qui conduisait à l'entrée principale, sous le départ brutal de la mousson, entra dans le hall alors qu'un autre roulement de tonnerre éclatait plus près, observa un instant le déluge de pluie qui, d'un seul coup, s'abattait sur le strip, avança jusqu'au comptoir, constata qu'il était vide, ne perçut la présence de personne, fit quelques mètres jusqu'au vaste porche de stuc blanc qui s'ouvrait sur le patio central, et son toit de résine translucide rose tourna la tête machinalement vers l'intérieur, et il la vit. Cydia Sexidol, c'était l'androïde pute. Il la reconnut instantanément avant même qu'elle Seigneur Métatron méchante, flamme bleue, orange, auréolée d'étincelles, ne s'interpose entre lui et l'ouverture du patio. Son ange gardien lui intima l'ordre de ne pas faire le mariole. Ok pour l'andro venu de l'espace. Pas la putain de Monolith Hill, par pitié, avait supplié la créature pseudo-intelligente.
Elle peut servir, avait répondu Plotkin en mode subvocal. Tous ces gens, les cinq que tu as listés, peuvent nous servir. Qu'ils me voient et me rencontrent n'a donc strictement aucune importance. Mieux, cela les impliquera d'autant plus vis-à-vis des autorités lors de l'enquête. On n'aura pas qu'un seul Lee Harvey Oswald. On va s'offrir le luxe d'en disposer de plusieurs. Il n'était pas un tueur de l'ordre pour rien. Et les agents intelligents ont la réputation d'être formalistes, scrupuleux, voire tatillons. En tant que métaprogramme de sécurité personnelle, El Seigneur Metatron avait la charge de veiller sur lui. Dès lors, son attitude zélée était compréhensible. Mais si la prudence est mère de sûreté, un excès de sûreté peut s'avérer la pire des imprudences. Il fallait y aller franco là aussi, comme avec Vega 2501 au Next Frontier Bar. La fille se trouvait tout au fond de la cafétéria. Elle se tenait debout devant une table où fumait une tasse de café et regardait fixement par les baies vitrées programmables vers la vallée, la ville, les zones technologiques des faubourgs nord. Elle regardait en direction du cosmodrome. Il choisit une table à mi-distance, passa devant les plats préparés et se servit tranquillement avant de s'asseoir. Elle était à environ 12 mètres de lui. Elle ne s'était pas retournée lors de son entrée dans la cafétéria. Elle n'avait pas bougé d'un iota lorsqu'il s'était servi à tabler et avait commencé son repas. De là où il était, il pouvait constater que le cosmodrome caché derrière une brume étrange, blanche et mobile, apparaissait à peine. Une brume mobile, comme des points blancs qui bougeaient et recouvraient peu à peu la ville venant du nord de Montréal. Des points blancs qui tombaient du ciel et flottaient en flux tendu sous les rafales de vent, presque à l'horizontale de la neige. L'orage venu du sud-ouest avait rencontré un brutal et sans doute fort peu prévisible courant d'air froid venu droit de l'Arctique canadien. En l'espace de quelques minutes, une des particularités climatiques les plus surprenantes du 42e parallèle se produisit devant ses yeux. L'ouragan quasi tropical venu des confins du Dakota et du Manitoba se transforma en une tempête de neige. Entre le moment où il avait repris la Ford de location sur Xenon Ridge et celui où il avait laissé au croisement, inachevé de la North Junction avec le Strip, la température avait chuté de près de 5 ans, de près de 15 degrés 10 minutes plus tard. Elle était tombée en dessous de zéro. Il comprit très vite que cela serait plus difficile qu'avec Landreau en maraude sur le strip. Entre clients, au-delà des différences superficielles, on peut causer, mais entre clients et produits, il se contenta donc d'un long et patient round d'observation. C'était une Andro dernière génération, pas de doute. On ne pouvait de dos, ni même de trois quarts arrière, la distinguer d'un être humain. Elle respirait, se mouvait et restait même immobile comme un être humain. En cela, analogue à son homologue masculin, Vega 2501, c'était par une accumulation de micro-détails que seul l'œil entraîné de Plotkin pouvait déceler qu'il était en mesure de jurer que cette forme parfaitement humanoïde n'était pas humaine et qu'elle avait bien été fabriquée en orbite par la Venus Corp, leader mondial des androïdes sexuels. Pendant ce temps, El Seigneur Metatron parcourait le réseau en tous sens jusqu'au mainframe de l'anneau afin d'en savoir plus sur la fille. C'était le moment. Oui, sans doute. C'était le moment. Il se sentit étrangement angoissé juste
avant de prononcer la phrase pourtant banale qu'il avait élaborée. Elle buta au bord de ses lèvres, comme bloquée par une dentition de verre. Il évacua l'impression d'une seule inspiration et lâcha à voix haute, mais pas trop tout de même. Il est beau ce cosmodrome, non? Il n'existe pas de piège plus subtil que la vérité, il n'existe pas d'artifice plus mortel que l'authenticité. Cette phrase, s'il l'avait choisie après avoir réfléchi et sélectionné, puis rejeté des dizaines d'autres possibilités, c'est parce qu'elle était si simple, certes, mais surtout parce qu'elle était vraie, absolument vraie. Lui aussi, du plus profond de son être, commençait à ressentir une fascination singulière pour Grande Jonction et surtout pour Cap Gagarine, là où les damnés de la Terre, comme les dandys milliardaires, trouvaient leur assomption dans l'espace orbital. Le sous-prolétariat chaotique et comme aristocratique de l'anneau. Lui aussi, souvent la nuit ou le jour, se postait devant le hublot de la capsule 108 et observait le ballet des chenillards ou des techniciens autour des plateformes de tir. Lui aussi donc pouvait prononcer une banalité authentique vécue de l'intérieur comme une sorte de miracle. Il est beau ce cosmodrome, non? Et la vérité est un piège si subtil qu'il fonctionne imparablement, quelle que soit la forme qu'il va prendre comme événement singulier. Et l'authenticité est si profondément une création totale, un art, un sommet de l'artificiel, donc, que lorsque, ainsi, par cette voie lumineuse comme une fusée dans le ciel, elle parvient à ce surgissement inattendu par nature de la liberté, alors elle se referme sur sa proie comme une splendide plante carnivore qui, enivre de suc digestif, l'insecte attrapé. Sous de sa propre annihilation dans cette beauté de l'hybris. Il attira Sidia Sexidol Nova 280 dans son piège. Il eut très vite la sensation qu'il avait bien fait, la nette certitude qu'encore une fois son intuition d'assassin professionnel était la bonne et qu'il fallait la suivre impérativement, qu'il lui fallait voir et rencontrer les 5 résidents spéciaux détectés dans l'hôtel par Elseigneur Metatron, même si au demeurant celui-ci faisait valoir son désaccord. Discrètement, telle une flamme solitaire et boudeuse à l'autre bout de la pièce, très vite, cette impression sembla englober la vie, sa vie, ou ce qui se nommait ainsi. Et si elle l'englobait, ce n'était pas pour l'enfermer, mais au contraire l'ouvrir en grand, la dévider, la déplier comme un fruit qu'on pèle jusqu'au trognon. Même si, en ce qui le concernait, le ruban de son existence comportait plus de trous que de pleins, plus d'ombre que de lumière, plus de concret que de mémoire. Très vite, il sut que le piège de la souveraine vérité fonctionnait. Très vite, ils se retrouvèrent côte à côte devant la baie vitrée. Sur la plateforme 3, on montait une Atlas Centaure modifiée avec une capsule Clipper, un vaisseau russe réutilisable des années 2010. 6 personnes partiraient ce soir pour la colonie de New Providence, quelque part dans l'anneau. Puis, presque aussi vite, après une conversation qu'il avait voulu garder consciemment très décousue, pas de préméditation, jamais. Il s'était retrouvé face à face à la table où son café ne fumait presque plus. Quelle que fût sa personnalité d'origine, quelles que fussent les identités de synthèse dont les neuro-ingénieurs de l'ordre avaient plombé son cortex,
Son instinct de pur prédateur, son instinct de tueur, son instinct d'homme concret de ce corps-là et maintenant, commandait chaque jour de plus en plus ce qui construisait, en même en temps réel, sa personnalité. Sans doute était-ce en fait une des composantes les plus secrètes du plan et des techniques mafieuses dont on avait truffé son cerveau. Peut-être n'y avait-il pas d'erreur dans le logiciel d'instruction. Peut-être même les interférences codées et les messages mystiques n'avaient-ils rien à voir avec ce qu'il avait pensé jusqu'à cet instant être des interruptions accidentelles du neuroprogramme. Peut-être n'y avait-il aucun lien entre les deux phénomènes. Peut-être le programme d'instruction était-il tout simplement devenu inutile. Peut-être, en effet, pouvait-il enfin commencer à être sûr pour de bon des émotions qui naissaient en lui. Peut-être pouvait-il être sûr de son intuition de tueur, d'espion, d'homme secret. Peut-être pouvait-il piéger cette femme. Oui, lui dit alors son intuition la plus profonde. Tu peux piéger cette femme. Et il la piégea. C'est à l'instant où les mâchoires se resserrèrent sur elle, telle l'abeille collée dans le suc, qui la digère tout autant qu'elle voulait le dévorer, qu'il comprit lui-même la nature du piège qu'il lui avait tendu. Elle lui avait expliqué que les androïdes, comme elle, étaient fabriqués en orbite, mais que leur utilisation y était très réglementée. Elle avait été fabriquée dans une embryocellule en apesanteur, mais à la différence des androïdes élaborés pour l'industrie spatiale, elle avait été expédiée aussitôt sur Terre, où, durant 12 ans maximum, nouvelle loi éthique de l'UMHU sur l'androïdate sexuelle oblige. Elle avait travaillé pour une compagnie chinoise d'escort girl qui avait commandité sa production à la Venus Corp depuis 2 ou 3 ans. Elle travaillait en solo. Elle mentait, se disait Plotkin tout en l'écoutant d'un air intéressé. Elle mentait, elle ne tapinait plus, elle s'était fait opérer. On lui avait effacé les programmes d'instruction sexuelle, on avait était jusqu'à couper définitivement ses circuits neuronaux et à lui prélever un microcomposant spécialisé. Elle ne tapinait plus. Elle ne pourrait plus jamais tapiner. Elle lui mentait. Pourquoi? Vu son curriculum vitae, disait-elle, elle n'aurait probablement jamais la chance de pouvoir obtenir, même si un jour elle disposait de l'argent nécessaire, le plus pourri des Golden Trake. Elle n'était même pas inscrite sur une quelconque liste d'attente. D'accord, d'accord, s'était dit Plotkin. Elle n'est pas ici pour partir dans l'anneau. Et elle n'est pas non plus ici pour tapiner. Alors quoi? Le cerveau surchauffé, l'esprit tendu comme un arc électrique vers l'androïde qui le regarde en silence tout en buvant du café. Plotkin dévie la conversation, surf verbal d'urgence, le temps de faire face à cette espèce de drôle de montée d'adrénaline. Vous pouvez boire des toxiques? Bien sûr, il connaît la réponse depuis sa nuit avec l'autre andro sur le strip, mais la question n'est pas vraiment posée pour obtenir une réponse, juste pour gagner du temps. Oui, répond-elle dans un très léger rire. Je suis une Vénus, nous sommes presque humains. Vraiment. Il avait souri, le piège se refermait doucement. Les impressions précises et dures comme des couteaux lassaillent. Elle n'était pas ici pour repartir dans l'anneau, elle n'était pas ici pour tapiner. Elle était ici pour quoi faire alors? Elle vivait de quoi, par ailleurs?
couteau dur et chaud. Couteau dur et chaud dans la tête. La fille est, il faut bien le reconnaître, très jolie, brunette, cheveux longs, raides, un doux visage ovale, un nez fin, légèrement retroussé, des yeux violets, une bouche étonnamment naturelle, plus naturelle que la plupart des orifices buccaux, dont sont affublées bien des femmes authentiques. Les ingénieurs bioniciens de la Vénus sont des maîtres incontestés de l'esthétique féminine. Leur réputation n'est plus à faire à côté d'elle. Même un androïde de la même génération comme Vega 2501 ressemble à une machine bipède expérimentale japonaise du début du siècle. Qui es-tu, SS Nova 280? Qui es-tu, sexy doll, made in space? Une demi-heure à peine de conversation, le tout croisé avec ce qu'il sait déjà, et voilà les couteaux durs et chauds qui assaillent son cortex. Une énigme, il est face à une énigme. Son piège s'est refermé sur un mystère qu'il ne comprend pas. Nashakima Aoukind. Le dealer. Un problème. Les frangins-frangines de la capsule 081. Un danger potentiel. L'androïde technicien de l'espace, un pigeon. Mais l'androïde Nova 280, une énigme. Et cette énigme reste entière alors qu'il remonte dans sa chambre. Le piège s'est comme refermé sur lui-même. Carte et diagramme. Si le hasard existait, jamais Plotkin ne serait venu à Grande Jonction. Si le hasard existait, jamais il ne serait descendu à l'hôtel Laika. Si le hasard existait, il n'aurait pas décidé de laisser agir ce qui, au plus profond de lui, ne savait même pas encore qu'il aspirait à être. Si le hasard existait, la conversation ne se serait pas terminée en même temps que la tempête de neige. Si le hasard existait, il ne serait pas remonté par l'ascenseur jusqu'à son étage à cette minute précise de l'après-midi. Si le hasard existait, il n'aurait pas croisé le gérant juste au sortir de la nacelle, alors que le gros homme refermait soigneusement la serrure magnétique de l'escalier de service conduisant aux sous-pentes du dôme de protection anti-radiation. Si le hasard existait, il n'aurait pu ainsi, sur un mode qui se voulait badin, interroger le gérant sur sa présence en ces lieux. Vous venez réparer les fuites du dôme? L'homme l'avait toisé avec très peu d'anémité, très peu d'aménité. Il avait fait glisser une sacoche de cuir de clonage qu'il tenait en bandoulière sur un côté, d'un geste sec. Quelle fuite? Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde. S'il y a des fuites, les systèmes de sécurité enverraient aussitôt un signal d'alarme. Presque estomaqué par tant de mauvaise foi, Plotkin rendit son regard au gros crapaud vénéreux. Oui, se disait-il, sauf si on trafique régulièrement les senseurs, ce que tu es venu faire précisément ici. Ah, excusez-moi, fit-il presque humblement. Mais je possède un scanner de poche qui a décelé quelques anomalies dans votre dôme. L'homme se planta devant lui. Son œil torve émettait un très mauvais signal. Dites donc, vous. Je me suis rencardé. Votre compagnie d'assurance est une firme merdique. N'essayez pas de fourrer votre nez dans mes affaires. Vous n'êtes absolument pas habilité à. Je voulais rendre service, c'est tout.
Ne vous énervez pas, fit Plotkin avant de pousser l'homme de côté pour se diriger vers sa chambre. L'homme ouvrit une grimace tordue qui exprimait des sentiments contradictoires. N'essayez pas de rendre service, c'est comme ça qu'on s'attire et des ennuis. Je suis venu réparer l'antenne satellite que cette foutue tempête vient d'endommager. C'est tout. Bonne journée, monsieur Plotkin. L'homme s'engouffra dans la nacelle au moment où Plotkin enfichait sa carte magnétique dans la serrure de sa porte. Menteur, crevure, donneuse, balance, indique, tonton, salope. Rien de ce que tu dis n'est vrai. Rien de ce que tu es n'est un véritable artifice. Tu es toi-même dans toute ton horreur et c'est tout. Tu me donnes réellement envie de gerber, pensa Plotkin en pénétrant dans sa capsule. Installé à son bureau, il avait demandé au room service robotique de lui monter du thé vert et des midi-biscuits vitaminés par le monte-plat de la chambre. Il commençait à entrevoir un plan d'ensemble à agencer la structure fondamentale de la pièce dont le dernier acte se conclurait par la mort du maire de cette ville. Ce fut l'instant que choisit El Seigneur Metatron pour faire son apparition solaire et tonitruante comme un feu ultraviolet au beau milieu de la pièce. Il y a en effet des anomalies sous le dôme, et beaucoup plus que ce que nous pensions. Quel genre d'anomalie? Je vais te montrer les séquences enregistrées sur le disque central de l'hôtel, mais aussi ce que je peux percevoir en me branchant sur le réseau interne des caméras, ou plutôt ce que je ne peux pas voir. Très bien, explique-toi. C'est très répétitif et très monotone. Ce que je dois te dire avant de te faire visionner tout ça, c'est que 1. Le gérant se rend périodiquement, parfois de nuit, à l'intérieur même du dôme par son escalier de service sécurisé. 2. Le réseau local de caméras et de senseurs qui est chargé de surveiller ce coin de l'hôtel a été trafiqué au point que des parties entières du dôme et de sa sous-pente ne sont plus visibles. Plotkin acquiesça. Cet enculé de gérant, cette petite donneuse venait régulièrement trafiquer les senseurs et les caméras, usant d'une quelconque technologie pirate venue de la zone pour ne pas se faire repérer par l'IA de l'hôtel. D'accord, avait répondu son ange gardien, mais pourquoi? Dans quel but? Plotkin s'était moqué de cette candeur dont les machines neuroquantiques les plus sophistiquées semblent parfois pourvues. Pour la seule raison valable ci-bas, le pognon, le flouze, l'oseille, la caillasse, le fric. FRIC. À son tour, El Seigneur Metatron se moqua de sa courte vue typiquement humaine. Tu te trompes. D'abord, à Grande Jonction, le fric, comme tu dis, n'est malgré tout qu'un accessoire. Ce qui compte, tu le sais, c'est le Golden Trek. Erreur numéro 2. On ne prend pas tous ces risques, celui de se faire repérer par l'IA du Laika et celui de se faire viré par la Human Home juste pour économiser quelques malheureux dollars, surtout pour un hôtel dont il n'est que le gérant salarié, et je te le rappelle. Plotkin avait déjà une argumentation à lui opposer. Il veut arnaquer les assurances, il doit magouiller quelque chose de pas clair dans ce goût-là. Le rire d'un ange gardien numérique est quasiment indescriptible, le bruissement d'une radiation proche de la masse critique. Il magouille quelque chose, Plotkin, mais cela n'a rien à voir avec les assurances. Cela a à voir avec quoi, alors? Je n'en sais rien, c'est pour ça qu'il a piraté tout le central de surveillance interne du dôme. On ne peut pas savoir, pas par les moyens électro-optiques dont je dispose. Et Plotkin ne répondit pas. Il attrapa le petit plateau de couleur orange que le monte-plat venait de déposer dans son emplacement mural, se servit une tasse de thé, mangea un biscuit lentement,
Puis il demanda à son ange gardien de lui faire défiler les images contenues sur le disque de l'hôtel. Si je comprends bien, seul un humain disposant de la clé magnétique de l'escalier de service peut vraiment savoir ce qui se passe là-haut. Le seigneur Métatron ne répondit pas, il trônait tel une fontaine ruisselante de lumière au centre du lit. Son silence à lui seul aurait pu consumer le monde. Sans doute Clovis Drummond planquait-il des tonnes de produits illégaux dans les combles du dôme. Il les recevait là la nuit, les stockait provisoirement dans sa capsule privée, puis venait les cacher dans la partie la plus inaccessible de la structure. Non. Ça ne tenait pas sur les images du disque de l'hôtel, on le voyait monter avec très peu de choses dans les mains, parfois rien du tout. Plus rarement, cette simple sacoche de cuir fauve. Le plus souvent, il prenait l'ascenseur jusqu'au 10e étage, où il accédait directement au dernier tronçon de l'escalier de service. Quand on observait les séquences provenant d'au-delà de cet escalier de service sécurisé, on ne percevait pratiquement plus rien de clair, les caméras étant pour moitié hors d'usage, pour l'autre moitié orientées dans des directions fantaisistes et bloquées mécaniquement par un procédé ou un autre. El Seigneur Métatron avait décelé la présence d'un nanovirus dans le réseau de senseurs, sans quoi l'anomalie eût été signalée à l'IA. Si le gérant ne planquait ni sa marijuana, ni ses cigarettes illégales, ni ses neurojouets de marché noir, que faisait-il sous le dôme en moyenne 2 à 3 fois par semaine? Il semblait bien qu'à la liste des résidents suspects de l'hôtel, un 6e venait de se rajouter. Il y eut alors 48 heures d'intense planification. Tout d'abord, créer une zone neurocryptée qui tromperait en continu la caméra de surveillance privative, El Seigneur Métatron exécuterait une routine de simulation à chaque fois que Plotkin travaillerait sur son plan. Ce dernier prenait forme dans tous les sens du mot. Il se fût livré des aliments aux amphétamines légales et passa 2 jours et 2 nuits sur la console à configurer une maquette tridimensionnelle de la ville. Chacun de ces quartiers, en particulier de Korolev Plaza, du building du consortium municipal métropolitain sur Korolev 1, comme de tous les immeubles environnants, correspondant chacun à une des branches spécialisées de la firme qui gérait le comté et ses ressources. Grâce aux données recueillies clandestinement par El Seigneur Métatron, il parvint à animer une reconstitution statistique en temps réel des mouvements humains dans la ville, en particulier les mouvements spécifiques des membres du consortium, dont ceux de M. Blackburn, le maire de la ville, le maire qu'il était venu tuer. Telle heure, tel jour, tel type de rendez-vous, tel type de déplacement et de procédure de sécurité. Il connaissait maintenant suffisamment la vraie ville pour pouvoir se repérer sans trop de problèmes sur la fosse. Il maîtrisait assez le territoire pour en établir une carte et y apporter la destruction. On ne tue qu'à coup sûr, dit une maxime de l'ordre qui vint se mêler à des réminiscences anglaises, russes et argentines dans ce curieux mixage qui s'était imposé lors du processus de synthèse projective de sa mémoire. On ne tue qu'à coup sûr. Cela signifie qu'un véritable assassin professionnel n'a pas droit à l'erreur. Pour tuer proprement, il faut réussir du premier coup, d'un seul coup. Cela doit être réglé comme le lancement d'une fusée orbitale. Il y a une fenêtre de tir, il y a un plan A, un plan B et peut-être même un plan C. Il y a des centaines de mesures de sécurité à prendre. Tout doit être étudié au plus infime détail près, comme les boulons d'une navette, pas droit à l'erreur, zéro défaut. A priori, il n'y avait guère de trous dans le système de sécurité entourant M. Blackburn. Il devait même
le reconnaître. Il n'y en avait quasiment aucun, et en tout cas, pas un seul n'était exploitable. Sur ce point, et le seigneur Métatron et lui s'étaient rapidement entendus. C'est pour cela que la date du 4 octobre, la date du centenaire de Spoutnik, du grand Starnaval, de Grande Jonction, avait fini par s'imposer. Ce jour-là, il y aurait un trou. Ce jour-là, Blackburn et les membres du consortium au grand complet assisteraient depuis une ère par... depuis une ère pan... depuis une ère panoramique. Protégé au code rouge, au décollage d'une grosse fusée brésilienne et d'une capsule chinoise Jumbo, assez récente, avec ses 12 occupants, il se trouverait juste au-dessus des installations du centre de contrôle, juste en dessous du, en dessous de Centaur City. Mais pour accéder à cette zone de haute sécurité, durant quelques minutes, il traverserait un zonage jaune aux abords de Stardust. Durant quelques minutes, il serait vulnérable. Durant quelques minutes, il aurait, lui, une fenêtre de tir. C'était à croire que son intuition d'assassin, en dépit de sa mémoire truquée, était la bonne. Oui, probablement, le neuroprogramme d'instruction était-il définitivement inutile, sinon pour assurer quelques routines de base. Tout semble-t-il, tendait vers cette décision, tout s'alignait en une perspective totalitaire jusqu'à ce plan, l'hôtel Laika, d'où il dominait la partie orientale du cosmodrome, soit la piste d'accès de la plateforme numéro 3 et les grandes friches qui s'étendaient en bas de Monolith Nord. L'espace était assez dégagé pour que la vue porte jusqu'aux collines de l'ouest, jusqu'à Centaur City et au centre de contrôle, jusqu'à la tribune d'observation que les pontes du consortium se faisaient construire. Il percevait l'agitation d'un chantier là-bas. El Seigneur Métatron lui fournit les plans détaillés de la tribune avec sa baie vitrée Securimax certifiée, à l'épreuve des balles de 20 mm à uranium appauvri et son toit en briques réfractaires pouvant supporter et des températures de 1000 degrés centigrades. La tribune elle-même serait intouchable, sans compter qu'il s'agissait de ne pas de ne tuer que Blackburn et éventuellement les membres de son escorte, pas tous les membres du consortium. Il était même probable que l'un d'entre eux soit le réel commanditaire de l'assassinat. La tribune serait intouchable, mais il y avait la petite portion de route zonée jaune en contrebas de Centaur City. Il y avait le fait que Blackburn la traversait dans une Lincoln blindée présidentielle ayant appartenu à la Maison Blanche dans les années 70, les années 1970. C'était la rançon de la gloire, la rançon d'être le roi de Grande Jonction, là où tout le XXe siècle semblait vouloir se contracter post-mortem, afin d'éviter au suivant d'être autre chose qu'un pur néant. Blackburn roulerait dans une Lincoln blindée des années 1970. Avec quelques modifications certes, mais dans la zone jaune, ce ne serait pas suffisant. Il demanda à la console d'animer plusieurs scénarios sur la maquette. Les masses humaines virtuelles se déplacèrent selon leur chaos spécifique entre les répliques des tours, des voitures noires aux portières frappées de l'emblème officiel du territoire autonome Mohawk, circulaire dans la cité électronique pour laquelle Seigneur Métatron reproduisait, grâce aux informations glanées au syndicat d'initiative locale, les divers spectacles et parades des rues prévues le 4 octobre. Les voitures convergèrent à chaque fois vers le zonage jaune.
Il y avait une erreur dans leur système de sécurité. Et ils disposeraient d'une très belle fenêtre de tir. Ils disposeraient d'au moins une demi-minute pour tuer le maire de cette ville. Il lui faudrait quelque chose comme un lance-roquettes électromag Earlycon. Avec son missile hypercinétique projeté à 5000 mètres seconde. Le projectile fusant vers une zone à sécurité abaissée ne pourrait être surpris à temps pour les systèmes de surveillance urbaine. Pas à 5 km par seconde. À cette vitesse, et grâce aux composés chimiques spéciaux dont ces alliages polys métalliques sont constitués, la mini-roquette de 13 mm est en état de surfusion et se voit littéralement enveloppée de plasma. À l'impact, une boule de feu équivalent à l'explosion d'une citerne de propane se propage instantanément. Selon les données du syndicat d'initiative, la zone jaune en question bordant les grillages ouest du cosmodrome serait moins peuplée que les grandes artères de la ville, ou que Stardust allait, mais il y aurait du monde venant de Centaur City et de Novapolis. Quelques dommages collatéraux accréditeraient la thèse de l'attentat terroriste. Il ferait exploser la Lincoln présidentielle de Blackburn et la déflagration emporterait une partie de la ville avec lui. Un matin, il s'endormit juste après l'aube alors que la maquette répétait invariablement le trajet de la roquette numérique par-dessus les tours de la ville jusqu'à la gerbe de feu qui ponctuait la ligne poudreuse qu'elle traçait pour un bref instant dans le ciel simulé de la réplique. Puis dans la nuit qui suivit, alors qu'il venait de s'éveiller de son long sommeil diurne et qu'il dépliait la salle de bain encastrable afin de prendre une douche avec ration d'eau supplémentaire payante, Elseigneur Métatron apparut dans un coin de la pièce. Monsieur Drummond vient nous honorer de sa petite visite nocturne sous le dôme, lui fit-il savoir.